La Côte d'Ivoire sort fraîchement d'une crise sociopolitique amorcée en 2002. Il est vital de lui éviter un autre traumatisme lié cette fois-ci à l'emploi. L'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat promu par le gouvernement ivoirien en vue d'atténuer le chômage est une voie que nous désirons exploiter avec votre appui. Cela se traduit par notre volonté d'ouvrir un cabinet d'agents d'affaires, de courtage en subvention, afin d'apporter une partie de la solution au problème de l'insertion professionnelle des jeunes. Dans un avenir que nous souhaitons proche, c'est tout un programme de formation, de recherche de financement d'initiatives jeunes, dans une approche d'auto-emploi et d'insertion, que nous envisageons mettre en place. En substance, le message est le suivant. La Côte d'Ivoire se reconstruit avec en prime une jeunesse entreprenante parce que l'un des objectifs du millénaire pour le développement est de mettre en place un partenariat mondial pour promouvoir le développement. Nous croyons que dans un contexte difficile de l'emploi, l'entrepreneuriat est une solution. La Côte d'Ivoire, tout comme l'Afrique, a besoin d'exemples pour la stimuler au travail. En cette période post-crise, le soutien à ce programme d'Ivoiriens dont la notoriété ne souffre d'aucun doute et dont la réussite parle d'elle-même, vise à rassurer les partenaires au développement. Ce sont Magic System, Madame Irie Loucolette et Maître Béa Joseline Seki que nous découvrons. Magic System, ce sont quatre personnes, Asalfo, Goudé, Tino et Manadja. Ces quatre gamins de Marcory à Numambo, un quartier populaire d'Abidjan, faisaient partie d'un groupe vocal appelé Woyo, qui animait les matchs de football et les mariages. Aujourd'hui, la magie a transcendé les frontières africaines et ces ambassadeurs de la culture ivoirienne ont reçu le prix du meilleur groupe africain aux Africa Diaspora Awards à Londres en 2005 et le prix Aimé Césaire du meilleur groupe francophone en 2007 pour ne citer que ceux-là. Ce mythique groupe a même été élevé au rang de chevalier de l'ordre national par le président ivoirien Laurent Gbagbo et reçu à l'Élysée par le président français Jacques Chirac. Magic System, c'est aussi un palmarès prestigieux avec 11 disques d'or, un disque de platine et une discographie riche et colorée. Partir de rien, devenir un savoir de réussite, c'est votre histoire. Parce que quelqu'un a cru en vous. Nous croyons en une jeunesse entreprenante qui participe à la reconstruction de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Magic System, 11 ans de carrière, 11 ans de magie. Magic System, le temps passe, la magie demeure. Irie Loucolette, c'est la présidente d'une coopérative et depuis 2002, elle préside la FENACOVICI, la Fédération Nationale des Coopératives de Vivriers de Côte d'Ivoire, qui regroupe environ 842 coopératives. Elle initie des prêts, regroupe les femmes et les forme pour une meilleure gestion. Elle participe à l'écoulement de leurs produits en les mettant à la disposition des grossistes. Durant la crise, c'est grâce au dynamisme de cette femme que les populations de Côte d'Ivoire ont été régulièrement approvisionnées en produits vivriers. Pour Irie Loucolette, le vivrier n'a plus de secret et c'est une option de choix pour l'insertion professionnelle des jeunes. Nous croyons à une jeunesse ivoirienne entreprenante. Nous soutenons cette vision. Qu'attendez-vous pour nos régions? Maître Béa Joseline Seki. Maître Béa Joseline Seki, épouse d'Ouhou, est agent d'affaires près la cour d'appel d'Abidjan. Son rêve, devenir une femme d'affaires influente. Après ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'université d'Abidjan, elle découvre la profession d'agent d'affaires. En tant que secrétaire de la Chambre nationale des agents d'affaires de Côte d'Ivoire, elle fait connaître la profession et lui donne ses lettres de noblesse en appuyant le président de la Chambre, Maître Bamba Mamadou. Fidèle à elle-même et à ses ambitions, envers et contre toutes les difficultés rencontrées, Maître Béa Joseline Seki est devenue un repère pour la jeunesse ivoirienne. Nous disons OK à l'entrepreneuriat comme solution au problème de l'insertion professionnelle des jeunes dans une Côte d'Ivoire en phase de reconstruction. Et nous soutenons cette vision qui est une réponse à un besoin spécifique de l'Afrique. Partenaire au développement, accompagnez-nous dans cette vision. En définitive, nous retiendrons que l'entrepreneuriat est une solution au problème de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans une Côte d'Ivoire en phase de reconstruction. Financez et coachez-nous pour la réalisation de cette vision.